Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Darksider War Master Edition sur PC. Et on va tout de suite continuer là où on s'est arrêté devant un grand égout. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que moi oui. Donc voilà, on va continuer. Continuer. Un coffre. Du coup j'ai vraiment encore enregistré directement parce que vous voyez que mon nombre d'âmes n'a pas bougé. J'aurais bien essayé de farm les armes un peu, mais bon, j'ai pas fait. Et quitte à farm autre chose que les armes, je sais pas farmer mon arme, mais j'ai pas fait. Ça, je ne sais pas comment l'ouvrir encore. Alors que je vois un moment quand même, faut voir si on... Ah c'est la musique de combat ou... Je crois que c'était dans ma rue que ça faisait ça. Une chorale dans ma rue tiens, c'est drôle. Ah. Simple, je t'aime. Je m'en doutais. Ça sentait bien la salle à mob. Hein. Allez, allez, venez, ça me fait des âmes. Moi je dis pas non. Ça me fait 5 âmes, un sac, un par mob, pardon, je n'arrivais pas à dire ça, eh. Moi ne plus savoir parler ou comment ça se passe? Parce qu'il faut apparu. L'escalier brisé. Faisons un petit tour pour regarder la map. Ok, passe. Ok. Un artefact, prenez-le. J'entends des maillons de chaîne, ça veut dire que Gulligrim n'est pas loin. Allez, je vois Gulligrim. Enfin, je vois son... sa chaîne pour indiquer qu'il est sans choper là-bas. Allez, là-bas, ouais, sa chaîne. Mais on ira plus tard. Hihi. Il élimine déjà tous les monstres. Tous les zombies, tous les démons. Est-ce que ce serait de la cendre par hasard? A bien l'air d'être de la cendre. On va jeter un coup d'œil sous l'eau. Nice. Et de deux, encore deux pour monter d'une barre. De vie, bien sûr.
Le jeu est ouvert, là-bas c'est vieux grim. On y retourne après avoir fait un peu de... Ça donne que deux âmes hein, ces trucs-là. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Hello, Vilgrim. Ça, je suis pas sûr que ce soit bien. Je sais pas. C'est nouveau ça. Tu es tout aussi sage que puissant. Tu cherches bien trop à négocier, l'ami. Voilà un... En quoi peux-tu être humble ? Ok, ok. La foule me fait de l'œil quand même, c'est la 5000. Hein. On va essayer de voir. Je vais essayer de voir mon côté si je peux pas vraiment économiser pour l'avoir. Ah oui, c'est de ça, d'accord. Est-ce que ça m'en donne toujours 100? Ah, ça m'a l'air d'en donner 200 maintenant, je ne sais pas, j'ai pas bien vu. Là-bas. Oui, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas. Attendez juste votre tour. Chacun votre tour est belle. Voilà. Une chose je tiens à les interdire. Youhou ! Les grands sauts. Oh. Tu viens, tu viens, si, tu viens. Et voilà. On lui a mis la pâtée.
Tiens, bouffe, bouffe, bouffe. Ok. Ils sont pas vraiment cachés les coffres, quoi. On les voit de très loin. Ah, par contre, ça au-dessus. Quoi? Bah non, si tu me mets un kill. Non, ça va, j'ai peur. Quelque chose au-dessus, on dirait. Bon, bizarrement, je peux pas y aller. Pas tout de suite, du moins, on dirait. Ça c'est pas mort tout de suite. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Nice. On dirait vraiment un système de donjon avec cette clé là. Ils font tendance, hein? Donjon. Il est juste allé tout en haut, puis déverrouiller la barrière. Prends ça dans ton œil. Oh, des anges. Par ici. Je n'ai rien. Un truc de démon. Je sais ce que j'ai vu. Il a raison. Uriel. C'est ici, sous la puanteur de cet endroit. On peut le sentir, ancien. Qui ne vient ni de la Cité Blanche, ni des ténèbres. Mais d'entre les deux. Néphilim. Oups, j'aurais spoil le scénario. Ah, une nouvelle phase, une nouvelle style de gameplay, tiens. Cette sensibilité. Ah, attendez, là la sensibilité est un peu trop grande. C'est option.
gameplay. Hein. Ok. Là, Uriel elle est pas contente parce qu'on a tué son maître. Enfin son maître est mort au tout début du jeu. Oh la pauvre. Allez. Ok. Toujours pas fini, eh. Nice. Donc là j'essaie donc d'un minimum de concentrer sur ça. Parce que faut bien presser la gâchette quoi. C'est une longue phase en tout cas.
Ouais, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rapporte des âmes. Hein. Donc là, on va juste économiser jusqu'à 5000. Histoire d'avoir assez de âmes pour acheter la grande faux, pardon. Prédateur aérien, ok. Why not? Ah, ouais, j'avais fait glitcher, ok. Ah, c'est le Tiamat. Tiamat, je suppose. Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à nous recevoir. Eh oui. Donc là-bas, c'est pour le grappin, mais... sorte de grappin. Peut-être que ça en fait c'est considéré comme un donjon en fait. On va y voir. On le saura bien assez tôt. Oh bitch. Il y a plusieurs entrées, je ne sais pas, on va commencer par celle la plus à gauche. Il y a par là. Voilà, rien ici. On va le laisser là vu qu'il y en a besoin. Qu'on est full vie. Mauvaise touche. Donc je sais que je peux rentrer par le milieu, mais c'est pas mon intérêt immédiat. Vu, comment ça va vu? Ah, bien vu. Il est bien vu. Salutations. Salutations. Et rentre dans la cathédrale obscure. Alors, attendez juste une seconde. Voilà. Par ici. Une épée. Ah d'accord, il faut la mettre là. Waouh, c'était très très dur d'ouvrir la porte. Mon cerveau a failli exploser tellement c'était dur. Donc un archigriffon contre Tiamat. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. C'est... ces griffons là, ou alors c'est juste un petit griffon, je sais pas. Oui, c'est ça, battez-vous, c'est bien.
Ça va vite de faire comme ça. Ah, je sens le coffre caché derrière. Je sens qu'il y a un coffre. Ah bah non. Tout faux, tout faux. Bah alors allons d'abord par là. Bon, c'est obligé, ça c'est ce qu'il va faire. Hein. En arrière, on saute, bam. Trop de créatures, mon goût. Allez, dites pas qu'après il y a encore une vague, sinon ça risque d'être un peu chiant. Voilà. Voilà qui est bon. Là-bas je ne peux pas, à moins que j'ai la clé, je l'ai toujours gardée. Ah, en plus il a un œil en serrure. Il a un œil en serrure. Moi j'ai pas trop le choix de vous voir quelque part. Ah, non, hein. Bon, tu meurs. Ça voilà, c'est très rapide dans ses déplacements, c'est ça qui est déjà bien. Ça prend pas des plombes. Nice. Pourtant j'en ai pas trouvé. Oui, je sais. Je sais très bien ce qu'il faut que j'en fasse, mais attendez. Ah, la carte! J'ai la carte, j'ai la carte. C'est à la vie, Star Baby. Ça, je peux pas le faire tout même pour le moment. Bah, il ne me reste plus qu'à tomber. Descendons toujours plus dans les profondeurs. Non. Ça c'est un peu trop profond mon goût. Et c'est un peu trop chaud surtout.
Je vends si j'en loupe un entre temps de ces artefacts, il faut que je regarde. Non, ça va, je les ai tous. Je sais pas ce qu'il peut y avoir derrière ça. Ah, bien sûr, un coffre. Je peux pas passer par ici plutôt. Et par ici non plus, non d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi il y avait ça. Ok. Donc je sais également où la clé va, pour le moment ça va. On n'est pas perdu. On sait exactement où on doit aller et où. Où on peut aller. Normalement, ce premier est simple. Ce premier don, cette première partie du donjon est simple. On va essayer de faire le donjon en entier dans cette vidéo. Ça risque de faire une petite vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Ça vous donnera quoi faire. Je crois que je tombe. Oh! Il a tout l'air d'être un mini-boss, lui. Mais où était-toi? Mais où était-toi? De la vie d'un côté et des âmes de l'autre. Si on n'oublions pas de prendre l'épée qui est juste ici, sinon ce sera assez ballot. Je crois savoir la mettre, je ne suis pas sûr. Voyons voir si je pense correctement. Par ici. Ah bah merci de me l'indiquer, mais... T'étais pas obligé, tu sais, hein. C'était pas ici? Non. Ah si, c'est là. Les amours à toi. Merci. Tu es gentil, César.
Bon, je fais comme si de rien n'était, hein. Mettez-vous si vous voulez. Moi, je ne suis pas là. Ils sont encore disparus. Ah d'accord. Et voilà une barre de vie supplémentaire. On nous dit pas non, on dit pas non, pas non, pas non. Oh, plus tir apparu. Dégage! Oh non, encore des comme ça. Je suis pas content. Et on s'occupe de toi maintenant. Et voilà. Des sommes. Oh, le petit bug de cinématique. Enfin de... De scène trigger, on va dire. Je suis sûr à 100% de ne pas pouvoir passer. Non, je passe pas. 1000 U, je ne passe pas. J'ai eu chaud. Oh, il est tombé. C'est bon, je sais déjà le placer. Loupiloupiloupam. Allez. On peut aller par là en même temps, on va déjà aller de ce côté là, normalement il devrait y avoir qu'un coffre. Ah non. Tintin. Ce bruit va me rester en tête, je le sens. Ah, flûte. Je sais comment faire. Ah non.
Ah, ça marche pas, on dirait. Ah, j'ai une autre idée. Mais non, ça marche pas. J'ai cru. Ce sera plus tard alors. Peut-être qu'on aura un pouvoir pour ça, mais. On vient voir. It's a trap! Vie. C'est quoi ça? Oh, c'est un grand coffre. Alors. Je ne sais plus c'est quoi ça. Ah oui, nouvelle arme. Shuriken, shuriken. Ah. Ouais, on peut le charger, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, enfin, je savais pas, mais on peut le charger à ce que je vois. C'est sûr qu'une fois chargé, ça fait plus de dégâts, hein. Allez, hop, au niveau 2 au moins mon arme là, c'est très bien, s'il te plaît. Je sens que si je m'approche de lui, je vais me faire one shot.
Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Non, c'est pas ça qu'il veut que je fasse. Voilà, B, quoi. Ah pour ça, d'accord. Ok. Ok. Ouais, donc normal que je peux pas le faire pour le moment, il faut que je monte d'abord. Ça va vraiment faire une longue vidéo, hein. C'est pas grave. Et on peut remonter cette statue. Voilà, voilà, merci bien pour l'ouverture de la porte. Ouverture des portes et B. Fusorient. D'accord. C'est logique. Pour l'instant, tout est logique. Celui-là ne peut pas être ouvert. Un croix de vie. Donc il faudrait trois armes. D'accord. On va commencer par là. Ça, mais il n'y a pas de bombe. Ok.
Voilà, je l'ai coupé en deux, nice. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Pardon. Pas assez de range. Voilà, je me dis c'est bien. Ah ouais, quand même. Ah mais c'est pour remonter tout en arrière, d'accord. Je vois. Andato. Et de 1 sur 3. Encore 2. Voilà. Donc là, il faut réactiver ici. Faut remonter tout là-haut. Venez m'excuser, je fais une petite ellipse. Hein, ellipse. Et me revoici. Désolé pour cette petite ellipse, encore une fois. Et on va tout de suite continuer, encore deux épées à faire, donc ça fera une petite vidéo d'une heure et demie peut-être, on verra bien. Du coup elle est plus petite que ça si c'est une petite vidéo d'une heure et demie, lol. Oui, je rigole. Et de 1. Allez, on part là-bas pour la deuxième. La troisième le sera sûrement qu'après avoir fait les deux premières, je pense. Ok. J'ai déjà vu cette statue là à droite. On dirait qu'il y a un côté qui veut pas. Trop loin.
Passons par là alors. Alors, voyons voir. Ok, d'accord. Si je comprends bien, si je balance ici, c'est bon. Ah non, mais c'est bon là, non? Sérieusement? Là, je peux pas y accéder, là, par exemple. Ah. Mais si, je peux y accéder. Je me disais aussi. Je peux m'accrocher tout en ayant ça. Non. Donc dire que je n'ai pas vraiment le choix. Ah, je viens de voir, c'est bon. Désolé, je suis idiot. Boum badaboum boum badaboum et je suis cool. Allez, allez, on monte. Allez, je t'ai dit, monte. Oh, tu montes. Mais what the hell? Ok, pourquoi pas. Donc là, on peut réactiver ça. De monter dessus. Non, c'est bon, il tombe tout seul. Si je passe par là, je peux pas faire grand chose tout de suite. Le seul choix, c'est là. Non, pas comme ça. Alors voyons voir comment je peux faire ça. Ça doit être... Non. On va monter de toute façon sur ce mur. Non, ben non. Et ici. Non, c'est bon, je vois, je vois. J'ai compris. Donc je prenne une bombe de l'autre côté, que je la ramène ici, que je l'allume avec les feux qui sont là. Pas folle la guêpe. Du coup, faut attendre. Encore attendre. Toujours attendre. Youhou! Tiens, prends ça!
Go, 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 go. Ta-da! Premier énigme entre grands guillemets résolu. Ok. Allez, t'en plus. Je te cible là, allez. Allez. Quoi? Ah, il faut... Maintenant, faut... Je suis perdu. Je suis supposé la prendre. Tu peux pas là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux rien faire là. J'ai peut-être une idée finalement. Ah non, ça va pas l'air vers ça finalement. J'essaie de bien les écarter quand même, mais bon. On va voir si ça passe. Hein. Je sais pas si c'est ça que je devais faire, mais je l'ai fait. Parce que de toute façon, je vois pas d'autres moyens, moi. C'est le seul moyen que je vois. Ah, j'ai 5119 âmes, je peux m'acheter la moissonneuse. D'ailleurs, regardons un peu au niveau des armes. Ah, donc c'est là dans laquelle dans là. Ok, ok. Allez. C'est pas ce que je voulais faire, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà ça. Et on referme la bouche, la bouche. Et on referme la bouche, la bouche.
Nice. Et de deux. Voilà, donc c'est bien comme je pensais. Troisième se débloque après en avoir fait deux. C'est bon pour un mini boss. Ah, nice. Ok. Bah. Une clé, ouais. Éclat de couru, youpi. Bon, maintenant la question est, à quoi me sert cette clé? Là, je vais pas te mentir, je ne sais pas. Mais bon, je sais. J'ai oublié qu'il y avait là-bas un endroit où on pouvait mettre une clé. Ouais, non, je vais plutôt repasser par là. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. On se réveille ici. Ah, ici. D'accord. Pourquoi pas? Ouh, le geôlier. Ça c'est du mini boss. Ou alors c'est un boss tout simplement. Ah les bobos. Allez, meurs. Il doit y avoir un moyen de fracturer tous les points charnus de ce sac de viande d'un coup. Ah oui, je vois, d'accord. Je tapais dans le vide depuis tout à l'heure, en fait. Comme dans tout bon RPG qui se respecte,
dans un... enfin, de Zelda-like, je veux dire. On utilise l'arme qu'on a gagnée dans le donjon. Ah, c'est devant, flûte. Il a combien de vie le geôlier? Allez, allez, allez. Encore ? Bam ! Bam ! Et voilà! Donne-moi tes âmes, hein. Donne-moi ton âme, donne-moi ton corps, baby! So, baby! Like you! Sésame, ouvre-toi. Merci. Sésame est toujours aussi gentil. Pourquoi... Oh, j'ai plus l'arme. Sérieux, pourquoi j'ai plus mon arme, moi? Oula, 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 oula. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est un petit secret si jamais on allume toutes les... Oh non, oh là là, hé, hey, calme-toi toi. Hein. Ah, j'ai compris à quoi servait, d'accord. C'est bon, j'ai enfin compris pourquoi il disait ça sur cet ennemi. Encore des âmes, toujours des âmes.
Allez. Voilà, je crois que j'allumais tous les feux. J'ai juste à prendre une bombe. On peut tout faire péter. Quoi ? Voilà. Enfin, on peut activer le deuxième. J'espère juste que ça va pas faire 2 heures de vidéo, ce serait un peu chiant. Pour moi, déjà, faire un... Pardon, un encodé. C'est peut-être à vous aussi à regarder, donc si jamais ça fait 2 heures, n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois. Hein. N'hésitez pas. Voilà, maintenant on peut remonter, enfin. Voilà, je me demande quels seront les autres objets qu'on recevra. Je me doute qu'il y aura un grappin, mais voilà quoi, après je ne sais pas. Vraiment long maintenant, je sais que pour la prochaine je ferai en 2 parties, mais bon, comme j'ai dit que je ferai celui en une vidéo, et bien on va le faire, hein. Et c'est tout, pas de passage sur les côtés, non. Qu'il n'y a rien là-bas, peut-être juste pour faire beau, à moins que non, peut-être juste pour faire beau. D'accord, c'est ici. Bah non, c'est pas ici. Bon, ça peut être ici. Ah, si, c'est là. C'est là où on était au tout début et la porte était fermée. Un consigne non négligeable. Ouh. Ouh là là.
pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Eh ben non. Mon âme, c'est la mienne, je la garde. Mais... oh non. Déjà ? Voilà, par contre c'est dangereux, enfin. La vie. C'était la vie. Je le sens mal. On va prendre, ça va monter. Les dégâts. Ah, y'a bobo. J'ai vraiment pas de vie. J'attends que tout remonte pour voir s'il n'y a pas de... non, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est la troisième épée que j'ai sur le dos. Peut-être qu'après ce sera le boss, le vrai boss cette fois-ci. Tiamat. Très bien, mais bon. Non! What? Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu chaud. On prend le chemin normal. Ça devrait nous faire monter si je ne m'abuse. Yeah, je suis trop fort. Et donc là, on devrait voir Tiamat tout en haut pour le combat final. Ah, j'ai complètement oublié cette porte. Et ben ça tombe bien, je voulais aller là. Ça tombe magnifiquement bien. Pour ça, voilà. Accède à ce côté là. Armure abyssale. Elle est aussi dans le jeu là, je ne savais pas. Je sais qu'elle est dans le 2, mais dans le 1, je ne savais pas.
Kourou Max. Je l'ai vu l'Interfect, vous inquiétez pas. Champion. Ah d'accord, si c'est comme ça. Nice, nice, nice. Donc là on est là. Combien de vie? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je ne peux plus sortir là, et là c'est sûr c'est la salle fin, c'est la fin. La salle de fin. Mais à mon avis on va utiliser beaucoup le shuriken. Hein. Même si j'appelle ça... Ouais je crois que c'est le shuriken qui l'appelle. Ouais. Je sais plus. Je vois shuriken sur boomerang, mais un peu moins que ça. Merci. Ouais donc là c'est le boss. Je crois qu'elle allait partir. Tu considérais mon offre. Quel dommage. Eh hey oh, tu vas te calmer, vieille. Non. J'étais pas full life, c'est normal. Je peux pas le passer ça. T'es sûr? Ouais, c'est... Allez, plus vite, s'il te plaît. La fée ne va pas te plaire, cavalier. Je savais pas que t'étais une cochonne. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Voilà. Ah.
Oups, ça va. Tu considérer mon œuvre. Oh, tirer une fois de porc. Voilà. Ok, premier quart des élus, pierre de vie, nice. Par ici. Tragique. Sans l'aide de ton ami à plumes, comment vas-tu t'échapper de cette prison de pierre ? Je trouverai un chemin. Tu as sans aucun doute fait tes preuves. Tu es plein de ressources. Peut-être puis-je t'indiquer un chemin plus rapide. Parle clairement, démon. L'antre des serpents. Des chemins anciens qui s'immiscent dans les confins de ce monde mort et au-delà. Je les emprunte pour me déplacer et moyennant paiement, tu le pourras aussi. Que veux-tu, Vulgrim ? Une bagatelle, vraiment. Le cœur de Tiamat. J'ai senti sa puissance dès le moment où tu es sorti de cette tour. Tu me blesses, cavalier. Jamais je ne m'interposerai entre toi, ton ami Samael. Non, mon seul souhait est de poser mes yeux sur le cœur. Un regard et notre pacte est scellé. Elle sera ravie. L'antre des serpents est tienne, cavalier. Viens vers moi quand tu désires l'utiliser. Ok. Antre des serpents. D'accord. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Ok. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi.
Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Non, parce que j'aurais pu prendre ça. Aussi sage et que puissant. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Voilà. Es-tu venu jusqu'ici pour me faire perdre mon temps? Possible. Bientôt à négocier, l'ami. Tu as descendu Tiamat, n'est-ce pas? Le destructeur ne va pas être content. Tu as besoin de vulgaire. Attendez, je regarde vite fait. Oh, c'était où? Non, c'est pas ici, il faut que je parle à Vulgrim pour voir les combos. Puis ensuite on s'arrêtera là. Alors, pour la faux. Ah, ok. C'est tout ? Oui. Ok. Et donc nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'était TheZotel. Prochain type HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.